Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Bienvenue chez Livre Noir. Vous avez reçu déjà il y a près de 2 ans chez nous. Vous êtes aujourd'hui un des plus fins, ce n'est le plus fin spécialiste de l'analyse politique. Et vous êtes également sondeur, puisque vous êtes directeur du département opinion et stratégie au sein de l'Institut renommé de l'IFOP. Vous êtes aussi connu du grand public pour différents ouvrages à succès. On pense à l'Archipel français. Et plus récemment, vous avez fait paraître « La France d'après » aux éditions du Seuil, qui est absolument passionnant. C'est un tableau politique, pour reprendre votre sous-titre, sur la France depuis 2022, les nouveaux clivages, aussi bien du Rassemblement national, Mélenchon, Emmanuel Macron, que les petits votes liés à Jean Lassalle ou encore au parti animaliste. Donc c'est passionnant, on va pouvoir en parler en ce début d'année. Ça me permet à nos auditeurs, pour ce premier grand entretien de l'année 2024, de leur souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année, de les inviter à s'abonner à notre chaîne YouTube et à commenter cet entretien pour donner leur avis. Alors, Jérôme Fourquet, vous connaissez la tradition de cette émission, c'est de commencer par une citation, et j'aimerais que vous rebondissiez dessus. C'est celle du politologue André Siegfried, que vous citez dans votre ouvrage, et qui dit « Quand le facteur religieux entre en ligne de compte dans les luttes politiques, c'est lui qui prend le pas sur toute autre considération économique ou sociale ». Et bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette citation d'André Siegfried est issue non pas de son livre le plus célèbre, Tableau politique de la France de l'Ouest, auquel je me réfère beaucoup, et le titre de mon livre est un hommage à ce monument de la science politique écrit par Siegfried en 1913, donc il y a plus de 100 ans, mais qui, comme son nom l'indique, portait sur l'Ouest de la France. La citation est extraite d'un autre livre de Siegfried, qui porte sur le département de l'Ardèche, où il avait, sur lequel il avait réalisé une monographie. Donc on était aussi à l'époque au 19e siècle, début du 20e. Et Siegfried avait constaté que dans ce département, qui était marqué par une présence protestante importante dans certains villages et certaines vallées, et puis également, bien évidemment, à l'époque, aussi une présence catholique, que ce clivage catholique-protestant, quand le contexte politique s'y prêtait, sur, par exemple, la question des deux écoles, la question de la laïcité, eh bien, le clivage ou le critère religieux l'emportait sur tout le reste. Donc Siegfried, dans ce livre sur l'Ardèche, comme il avait l'habitude de le faire, met en lumière le rôle des classes sociales, de la géologie, puisque ça conditionnait à l'époque le type d'agriculture qui était pratiqué. On rappelle, hein, c'est pas la France d'aujourd'hui, c'est la France de l'époque. Donc la France était essentiellement agricole. Et donc il montre bien comment, en fonction de l'altitude de la commune, le type d'exploitation agricole, est-ce qu'on était en habitat groupé ou dispersé, la présence d'industries manufacturières dans le fond des vallées, ou leur absence, les votes se coloraient plutôt à gauche ou plutôt à droite. Mais à côté de ces grands déterminants, j'allais dire traditionnels, il met aussi spécifiquement dans le cas de l'Ardèche le poids du facteur religieux, à l'époque, dans ce territoire particulier, l'opposition catholique-protestant, comme variable politique qui peut devenir déterminante en dernier recours dans certains contextes. Alors, cette grille d'analyse est très féconde pour penser la société contemporaine. Bien évidemment, nous ne sommes plus dans la France d'avant, nous sommes dans cette France d'après que j'essaye de décrire. Le poids du protestantisme, sociologiquement parlant, même si les courants évangéliques sont assez dynamiques, est quand même aujourd'hui très, très marginal. J'ai beaucoup écrit sur l'effondrement de la vieille matrice catholique. Et donc la dimension religieuse, aujourd'hui, quand elle a un poids électoral, elle se manifeste par le poids, dans certains territoires, le poids de l'électorat musulman. Oui, c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure justement, sur vous expliquer un peu comment ça fonctionne aussi en Seine-Saint-Denis. Vous revenez aussi sur la thématique des prénoms arabes musulmans dont vous aviez parlé déjà dans l'archipel français. On reviendra dessus. Je me permets une question avant de vraiment rentrer dans le fond, parce qu'il y a une actualité récente, on ne peut pas ne pas en parler. C'est le remaniement par Emmanuel Macron et la nomination du plus jeune Premier ministre de l'histoire en France, qui est Gabriel Attal, même si évidemment on ne demande pas d'être Madame Irma, devinez un peu ce qui va se profiler. Comment vous analysez un petit peu cette nomination? Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur la société actuelle d'avoir un président Emmanuel Macron qui choisit une personnalité comme Gabriel Attal comme Premier ministre? Alors, comment on peut analyser la décision d'Emmanuel Macron de remanier?
Je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, et tout procède, en fait, de mon point de vue, du soir du deuxième tour des élections législatives, donc juin 2022, élection qui s'est soldée par un échec pour Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le parti En Marche, ou Renaissance, et ses alliés, donc Horizon, Modem et autres, obtiennent 245 sièges, donc il en manque 45 pour faire une majorité. Et donc tout procède de là, puisque depuis les élections législatives, on voit que Emmanuel Macron a essayé de trouver des solutions, des subterfuges, pour contourner ce fait mathématique, l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. D'où le recours fréquent au 49-3, le fameux, d'où aussi eh bien, les difficultés à faire passer des textes de loi majeurs comme celui sur la réforme des retraites et plus récemment sur la loi immigration. Avec une étape franchie dans ce cadre-là, sur ce dossier de la loi immigration, en ce sens que pour la première fois, toutes les oppositions se sont coalisées pour faire chuter la majorité présidentielle qui est minoritaire en l'espèce à l'Assemblée. Et donc, si vous voulez, l'exécutif a touché du doigt très concrètement les conséquences de son statut de minoritaire à l'Assemblée, en disant voilà, on est dans une impasse, il faut sortir de cette impasse. Et donc se relancer pour la deuxième partie du quinquennat, en ayant aussi en ligne de mire un rendez-vous électoral majeur qui est qui sont les élections européennes de juin prochain. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interprète la décision de remanier qui est tombée comme ça, sans crier gare, alors qu'on ne s'y attendait pas. Partant de là, il y avait deux scénarios pour le remaniement. Soit on remaniait et le remaniement permettait un élargissement de la majorité. Ça veut dire, très concrètement, un accord politique qui était passé avec les Républicains, mais c'était un accord de gouvernement, donc en termes, j'allais dire, de portée politique et d'ampleur des négociations, ça ne se fait pas sur un coin de table. Et puis les Républicains ont pris conscience de leur pouvoir de nuisance, et donc je ne suis pas sûr qu'ils soient très motivés pour rentrer dans ce genre de scénario. Soit, si on ne pouvait pas, du côté de la majorité présidentielle, élargir le spectre de la majorité à l'Assemblée, eh bien, on était contraint donc du coup de remanier à minima, et pour que ça ne s'apparente pas à un espèce de jeu de chaises musicales où on aurait remplacé Madame Borne par Monsieur Le Maire ou par Monsieur Le Cornu, ce qui n'aurait eu probablement quasiment aucun impact durable dans l'opinion, il fallait essayer de marquer les esprits et créer un peu d'attention, d'où la décision de choisir Gabriel Attal, qui, dans les enquêtes d'opinion, est le ministre le plus populaire, qui, par son jeune âge, son image, et les quelques mois qu'il a passé à la tête du ministère de l'Éducation nationale, a marqué quelques points. Et donc, dans ce scénario contraint, qui était un remaniement à minima sans élargissement du spectre de la majorité, c'était sans doute la meilleure carte que Emmanuel Macron pouvait jouer. Qu'est-ce que tout cela nous dit plus globalement sur la société française ? Eh bien, sans doute aussi que Emmanuel Macron a ressenti ce qu'il avait très bien senti il y a quelques années maintenant, ressenti le fait que l'envie de tourner la page, l'aspiration dégagiste, comme on avait dit à l'époque, sur laquelle il avait abondamment surfé lors de sa mise en orbite et de sa victoire en 2017, eh bien que cette soif dégagiste n'était sans doute pas complètement comblée et qu'elle se faisait toujours entendre. Et donc, il fallait quelque part sauter une génération et apporter du sang neuf pour espérer recréer un minimum d'attention de la part de nos concitoyens, parce que je suis très frappé par la prise de distance de plus en plus évidente ou la mise en retrait de beaucoup de nos concitoyens vis-à-vis de la vie politique, comme si tout ça était un espèce de jeu de théâtre qui ne regardait que de loin en loin et qui les intéressait de moins en moins. Et donc il fallait briser cette glace, briser ce mur du son,
Et donc, on a sans doute pensé à l'Élysée que le choix de Gabriel Attal serait abondamment commenté, qu'on serait, comme on dit en Macronie, sur un effet disruptif. Et c'est ça que je vois, moi, dans ce remaniement. Il faudra voir comment les choses vont évoluer. Comme on l'a dit, Gabriel Attal bénéficie d'un socle de popularité qui est loin d'être négligeable, mais on va rentrer maintenant dans le dur. C'est-à-dire que il n'y a pas d'effet magique et la dure réalité arithmétique de l'Assemblée nationale ne va pas se modifier du jour au lendemain. Donc il manquera toujours 45 sièges à la majorité présidentielle à l'Assemblée. On voit dans nos enquêtes quelles sont les préoccupations des Français. En un, le pouvoir d'achat. Et Bruno Le Maire rappelle, matin, midi et soir, qu'on a 3 000 milliards de dettes, que les marges de manœuvre n'existent pas. Et donc, comment on fait dans ce cadre-là? On voit également que les attentes sont très fortes en matière d'éducation, en matière de santé, les déserts médicaux dans les campagnes comme dans les villes, l'état de nos services d'urgence hospitalières, attentes aussi en matière de sécurité, avec des faits divers qui se multiplient, qui deviennent des faits de société. Si encore une fois Gabriel Attal bénéficie d'une équation personnelle à ce stade plutôt favorable, l'ampleur de la tâche qui l'attend est quand même très substantielle. Et donc on verra dans les prochaines semaines et les prochains mois comment il arrive ou non à se frayer un chemin. Ajoutons dans ce tableau des difficultés, cette énumération des difficultés, les considérations plus politiciennes, savoir quelle distance et quelle relation va-t-il réussir à construire vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Beaucoup des opposants au président de la République ont dit en fait, on connaît déjà, c'était pendant l'insoutenable suspense, on connaît déjà le nom du locataire de Matignon, il s'appellera Emmanuel Macron, façon de dire qu'on est toujours dans la présidence jupitérienne, et donc est-ce que Gabriel Attal arrive à se dégager un peu de cela? Et puis comment également, parallèlement, il arrive à asseoir son autorité vis-à-vis des barons, qui sont ses anciens collègues ministres, dont on verra si certains sont reconduits ou pas dans des fonctions importantes, et comment lui arrive à imprimer sa marque. Est-ce qu'on peut le voir un peu en miroir inversé, mais d'une certaine façon complémentaire au sens de l'état de la société, d'un Jordan Bardella qui vient de dépasser le million d'abonnés TikTok? Et si je pose cette question, c'est que c'est aussi une façon d'introduire une discussion d'après, c'est-à-dire de ce vote aussi du Rassemblement National, qui va être jeune, qui va être éloigné de la politique, mais qui va être touché par des personnalités aussi bien comme Jordan Bardella que comme Gabriel Attal, qui savent parler à ses publics. Alors, c'est sans doute une autre des arrière-pensées ou des pensées tout court d'Emmanuel Macron qui ont pesé dans le choix de Gabriel Attal. C'était de trouver quelqu'un qui soit suffisamment, puissant médiatiquement pour faire pièce à Jordan Bardella, dont la percée sondagière et sur les réseaux sociaux n'a sans doute pas échappé aux stratèges de l'Élysée. Et donc il y a encore une fois, bien évidemment, la volonté de nommer un Premier ministre pour la deuxième partie du quinquennat, mais aussi à brève échéance, un chef de la majorité capable de mener de manière efficace la bataille de l'élection européenne à venir, et en l'espèce pour les macronistes, elle se résume, cette bataille, pour l'instant, même s'ils vont regarder ce qui se passe du côté de Raphaël Glucksmann, elle se résume à, comme la dernière fois aux européennes, un duel vis-à-vis du Rassemblement National. Et donc face à un saut de génération qui était fait au Rassemblement National avec Marine Le Pen qui se mettait en retrait pour les européennes et la montée en puissance de Bardella, il fallait faire pièce et trouver quelqu'un qui, sur le banc de touche de la Macronie, soit capable de tenir un duel médiatique avec Jordan Bardella. Ça nous amène justement au cœur de notre sujet, d'autres excellent ouvrage que j'invite aussi nos auditeurs et téléspectateurs à se procurer, parce qu'il est passionnant si on veut comprendre la politique au-delà de l'idéologie, mais véritablement l'état de la société réelle selon ces territoires. C'est finalement intéressant et intriguant de se dire que c'est d'une certaine façon un jeune de 28 ans, président du Rassemblement National, qui choisit indirectement
le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Comment aujourd'hui vous décrivez, depuis l'élection présidentielle de 2022, l'évolution du segment sociodémographique, notamment du vote des eaux bleues marines dont vous parlez dans votre livre? Alors, je parle de de la montée des eaux bleues marines pour illustrer la montée en puissance de ce vote, non pas depuis la dernière élection présidentielle, mais depuis 25 ou 30 ans. Et donc, je prends comme point de départ l'élection présidentielle de 2002, la première à laquelle un candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen en l'espèce, s'est qualifié pour le deuxième tour. Et donc à l'époque, on le rappelle, il avait fait à peine 18% des voix au second tour face à Jacques Chirac, quand sa fille, Marine Le Pen, qui s'est qualifiée pour la deuxième fois pour le second tour de la présidentielle en 2022, a fait, elle, 41,5% des voix au second tour. C'est le point de départ, en fait, de ma recherche et de la volonté d'écrire ce livre, c'est ce score du deuxième tour de la présidentielle, qui, moi, je travaille depuis 25 ans, 30 ans sur le vote FN, m'a tout à fait saisi, puisque j'étais encore dans les jauges, les étiages, des années Le Pen père, en fait. Donc Marine Le Pen avait déjà fait 34% en 2017, mais là, il y a un nouveau palier qui avait été franchi avec ce score assez spectaculaire de 41,5% des voix. Et j'ai pensé intérieurement que beaucoup d'acteurs politiques ou d'analystes ou de commentateurs étaient passés assez rapidement sur ce score du deuxième tour, en disant « bon, elle progresse par rapport à 2017, mais elle est encore battue, il y a encore de la marge, etc. » Quand on se pense un peu sur les chiffres, c'est assez, assez impressionnant. En 2002, Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance au deuxième tour sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron, au second tour, a 11 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. Et en 2022, cette avance n'était plus que de 5,5 millions de voix. Donc 20 millions, 11 millions, 5 millions et demi. Alors on peut poursuivre le trend et en disant que la prochaine fois, entre guillemets, sera la bonne pour Marine Le Pen. On sait que l'histoire électorale ne répond pas comme la physique ou la chimie à des lois mathématiques implacables, donc on ne va pas faire des plans sur la comète, mais ce simple graphique, là, 20 millions, 11 millions, 5 millions, de mon point de vue, illustre très bien ce que j'appelle la montée des eaux bleues marines. Donc il y a cette montée progressive. Comment on l'explique ? Eh bien, par plusieurs facteurs. D'abord par le fait que les principaux ingrédients qui conditionnent ou qui incitent à voter pour le FN puis pour le RN, eh bien, ces indicateurs-là sont orientés favorablement pour ce parti et défavorablement pour le pays. En ce sens que, quand on regarde historiquement quelles sont les motivations qui sont avancé spontanément par les électeurs qui votent pour ce courant de la vie politique française, dans les enquêtes d'opinion, ils vous disent toujours que la priorité numéro un, leur motivation numéro un, c'était l'insécurité et l'immigration, suivi de près avec des évolutions dans le temps de la question du pouvoir d'achat. Et donc, si on les prend au mot en disant bah, comment a évolué la situation du pays sur ces sujets-là, pouvoir d'achat, déclassement, montée des tensions et des violences dans la société avec l'insécurité, puis la problématique migratoire avec les équilibres économiques, l'insécurité culturelle, etc., etc. Et donc on voit, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, que sur ces différents sujets, eh bien, l'évolution de la société est favorable au développement de ce type de vote. Sur la question économique et sociale, on le voit avec un sentiment de déclassement qui est de plus en plus répandu, qui s'est encore accentué, alors je vais revenir à votre question là, sur la dernière période, depuis deux ou trois ans, avec le retour d'un phénomène qu'on croyait
économique qu'on croyait d'un ancien temps, qui est celui de l'inflation. Hein, on rappelle que les prix des produits alimentaires, qui servent un peu de thermomètre pour les Français, pour savoir, ils ne regardent pas l'INSEE, les Français regardent le prix du ticket de caisse et ce qu'ils ont dans leur caddie, parce que c'est ça qu'ils pratiquent le plus régulièrement. L'inflation sur les produits alimentaires, c'est plus 25% en 2 ans. Et donc on voit qu'on a une part de plus en plus significative de nos concitoyens qui nous disent qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts et que bien qu'ils travaillent et que leur conjoint travaille, ils n'arrivent plus à se maintenir à flot et qu'ils sont obligés de faire des impasses, d'être dans l'arbitrage. Donc on réduit le nombre de jours durant lesquels on va partir en vacances, on va changer de type d'enseigne qu'on va fréquenter dans la grande distribution, on va abandonner ce que j'appelle les produits iconiques, les produits phares, genre le Coca-Cola, le Nutella, pour prendre des sous-marques ou des ersatz. Et tout ça nourrit le sentiment de déclassement. Donc ça, c'est pour les sujets économiques et sociaux. Et élément marquant ou assez emblématique de tout cela, qui précédait la crise inflationniste, ça avait été le mouvement des Gilets jaunes, avec, en tout cas, dans les débuts de ce mouvement, cette France qui travaille. Nicolas Sarkozy aurait parlé de cette France qui se lève tôt, et qu'on a entendu s'exprimer sur les ronds-points, qui disait toujours la même chose en disant on n'y arrive plus, on est trop taxé, il n'est pas normal que, alors même qu'on fasse nous-mêmes des efforts, on n'arrive pas à accrocher les standards de consommation moyens. Donc ça participe très fortement de l'alimentation de ce vote pour le Rassemblement national, en ce sens que Marine Le Pen, et je pense que son élection dans le Pas-de-Calais et son implantation du Pas-de-Calais lui a été très utile pour toucher du doigt cette réalité sociale-là. Marine Le Pen a fait, depuis qu'elle est en responsabilité à la tête de ce mouvement, a fait évoluer le corpus idéologique et programmatique du parti en accentuant cette fibre et cette dimension économique et sociale, où elle a, par exemple, sur la dernière élection présidentielle, mis le pouvoir d'achat en tête de son programme. Autre moteur historique du vote pour le Rassemblement national, la question de l'insécurité. Et donc là aussi, les chiffres sont assez parlants. Alors on peut avoir des difficultés avec les chiffres sur la délinquance, parce que on a un ministère de l'Intérieur et un appareil de statistiques publiques qui, j'allais dire, a pas forcément régulièrement, mais qui à plusieurs reprises a modifié les méthodes de calcul. Donc on n'a pas forcément des effets ou des longues séries qui peuvent être observées. Donc moi je me suis basé sur certains indicateurs, le nombre de cambriolages, le nombre de fonctionnaires de police et de gendarmerie blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qui peut servir un peu d'indicateur de l'état des tensions et des violences. Et puis j'en avais un autre qui est encore plus synthétique, qui est le nombre de détenus dans les prisons françaises. Alors on peut se dire, s'il y a plus de détenus, c'est que la justice est plus sévère. On peut aussi se dire que s'il y a plus de détenus, c'est qu'il y avait plus de clients et que la justice a dû fonctionner parce qu'il y avait plus de cas à traiter. Comme les saisies de drogue, parce qu'il y a une augmentation du trafic de drogue. Voilà, on peut dire aussi parce que les services sont plus efficaces, mais bon, quand vous voyez la volumétrie, on peut quand même s'interroger. Et donc, si je reviens sur, j'allais dire, mon point de comparaison, qui est l'année 2002, sur le plan électoral, cette année-là, la France comptait 50 000 personnes sous écrou, détenues, derrière les barreaux. On en a aujourd'hui plus de 75 000. Alors, la population française a augmenté en 20 ans, mais pas de 50%. Sachant qu'en plus, à l'époque, on n'avait pas inventé le bracelet électronique. Et donc aujourd'hui, à ces 75 000 détenus derrière les barreaux, vous ajoutez 14 000 personnes qui sont sous bracelet électronique. Donc on est à 90 000 personnes. Dans la nomenclature judiciaire, on appelle ça sous écrou. Donc ils sont derrière les barreaux ou sous bracelet, alors qu'on en avait 50 000 en 2002. Donc là, ça vous donne une illustration de la tendance qui peut être corroborée sur une période de temps plus rapprochée. 2017,
entrée en fonction d'Emmanuel Macron à 2023, les atteintes et violences aux personnes ont augmenté de 60% entre 2017 et 2023. Donc ce deuxième ressort puissant historique du vote RN fonctionne lui aussi à plein régime, si je puis dire, pour favoriser le développement de ce vote, puisque Marine Le Pen n'a jamais abandonné la question sécuritaire, et donc que si elle parle aujourd'hui davantage de pouvoir d'achat et de social, c'est pas au prix d'avoir gommé cette deuxième jambe qui était la jambe sécuritaire. Et puis, le troisième sujet, historiquement sur lequel le FN a émergé, c'est la question de l'immigration. Et donc là aussi, si on regarde un certain nombre d'indicateurs, qu'on essaie de quantifier les choses de manière objective, on voit que l'évolution de la tendance ne peut qu'apporter, si je puis dire, de l'eau au moulin Front National, désormais Rassemblement National. Et donc, dans l'archipel français, j'ai repris cet indicateur dans la France d'après, je m'étais intéressé aux prénoms qui sont donnés aux nouveau-nés qui naissent en France, et notamment au poids parmi les naissances d'enfants qui portent ou qui reçoivent un prénom arabo-musulman. Et donc, de mémoire, on était à 12 ou 13% des naissances qui faisaient l'objet du choix d'un prénom arabo-musulman. En 2002, on est à plus de 21% aujourd'hui. Donc, on voit bien le trend. Alors, attention, ces prénoms arabo-musulmans peuvent être donnés et sont souvent donnés à des enfants qui vont avoir de droit la nationalité française, hein, puisqu'on est parfois sur la deuxième ou la troisième génération. Mais cet indicateur des prénoms est un indicateur là aussi synthétique qui va permettre de donner à voir le poids de la population issue des immigrations. Dans les prénoms arabo-musulmans, on va avoir le Maghreb, mais aussi la Turquie ou une partie de l'Afrique subsaharienne, voire maintenant aussi du sous-continent indien pour la composante de sa population qui est musulmane. Et donc, on voit là aussi que, je ne suis pas là du coup sur les catégories qui sont immigrés, étrangers, français par acquisition, on est sur le poids démographique et la résultante démographique de ce phénomène de l'immigration qui ne s'est jamais interrompu au cours des 40 ou 50 dernières années. Et donc là aussi, vous voyez que si on essaye objectivement et sans esprit de polémique de poser les chiffres et de poser un diagnostic, on voit là aussi que l'évolution de la situation fait que le discours qui est tenu et qui continue d'être tenu par le Rassemblement National trouve un écho dans la population. Ce qui me permet de faire un point de méthode sur comment une part croissante de nos concitoyens aujourd'hui se positionne politiquement et construit son rapport à la politique. On a dit tout à l'heure que beaucoup de Français s'étaient mis en retrait. On voit les taux d'abstention. Alors, Dieu merci, pas pour la présidentielle encore, mais pour les autres scrutins qui sont des taux d'abstention à plus de 50%, donc ce qui est quand même colossal. On voit bien que les émissions politiques peinent à trouver leur public, et on sent bien dans la société que ce que j'appelais le petit théâtre politicien, aujourd'hui, a beaucoup moins d'écho dans le pays. Quand on essaye, nous, de creuser à l'IFOP qualitativement les choses, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de ces Français qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément militants ou pas forcément ultra-politisés, eh bien, construisent leur rapport à la politique et aux hommes politiques ou aux femmes politiques en deux étapes ou trois étapes. La première, c'est celle du screening ou le fait de scanner un politique, c'est-à-dire qu'on va le regarder, se comporter. Souvent, on fait ça uniquement en période électorale parce que le reste du temps, on s'y intéresse pas. On regarde comment il se comporte, comment il s'exprime, quels sont les sujets qu'il va prendre en compte, les exemples qu'il va convoquer, et in fine, quelle va être
de manière de plus ou moins subliminale, le diagnostic qu'il va porter ou incarner sur l'état de la société. Et si ce diagnostic est conforme à ce que pense l'électeur, alors l'électeur va daigner passer à la deuxième étape, c'est porter un peu attention aux propositions que ce candidat ou ce responsable politique pourrait formuler. Mais dans beaucoup de cas, l'électeur lambda est assez déstabilisé par le fait que le diagnostic qui va être porté ne correspond en rien ou est très éloigné de ce que cet électeur lambda vit, lui, au quotidien. Et donc, il se dit, c'est même pas la peine de gâcher du temps à aller écouter les propositions qui seront faites par la suite par cet ou ce candidat, parce que ce qu'il nous raconte sur le pays est à côté de la plaque et ne correspond en rien à ce que moi je vis ou à ce que moi je vois. Et donc, cette capacité à poser un diagnostic partagé est absolument fondamentale pour les politiques. Et donc, je referme cette parenthèse méthodologique. Qui arrive 2-3 semaines avant une élection aussi, en règle générale. Oui, alors... Ça se cristallise. Oui, ça se cristallise. Alors, après, je vous ai dit, comme on n'a pas forcément un renouvellement politique toujours spectaculaire, les électeurs savent à peu près ce que raconte Marine Le Pen sur la société française, ce que raconte Mélenchon, ce que maintenant raconte Macron, etc., etc. Donc, c'est plus pour les nouveaux qu'on va prêter un peu... qu'on va prêter un petit peu attention. Et donc, cette phase de mise en conformité ou de partage d'un diagnostic commun est absolument fondamentale. Et manifestement, avant même les propositions que Marine Le Pen, en l'espèce, puisque vous m'interrogez sur l'Assemblement national, peut formuler, un élément de son succès, c'est que le diagnostic qu'elle pose sur l'état du pays entre en résonance avec ce qu'une part croissante de la population croit comprendre ou croit ressentir de l'état de son propre pays. Justement, il y a un élément, vous parliez un peu de l'immigration qui m'a marqué dans votre ouvrage, où en fait vous montrez que cette immigration-là, elle est aujourd'hui répartie sur le territoire et que finalement elle dépasse pour 3/4 des départements français le pourcentage qui était celui en 2001 de la région parisienne, donc qui était à 10%, et pourtant certains parlaient déjà pas mal d'immigration. Est-ce que c'est aussi un facteur qui explique la hausse du vote RN, dans le sens où on parle souvent de sentiment d'insécurité ou de peur de l'immigration, avec le fait que cette fois-ci, dans de nombreux territoires, les gens voient beaucoup plus facilement cette immigration, et donc ce serait finalement une véritable différence. Parce que si je prends par exemple le récent rapport de la Cour des comptes qui est sorti, il montre par exemple qu'une grande partie des nouveaux immigrés arrivent du Nord, et donc paradoxalement de la région aussi de Marine Le Pen. On pense souvent que c'est uniquement un vote économique et social, mais il y a un facteur aussi immigrationniste qui est assez important. Alors... Parce que vous dites, à un moment donné, en la matière également, les plafonds d'hier sont devenus les planchers d'aujourd'hui. Ça, cette phrase, elle m'a beaucoup marqué. Oui. Alors, on a parlé de ce phénomène de l'immigration comme un phénomène de longue durée. Et donc, hormis le fait que, c'est déjà fondamental, l'immigration contemporaine concerne d'abord des populations qui viennent du sud de la Méditerranée, et puis même maintenant un peu de la planète entière, on a parlé du sous-continent indien ou autre, alors qu'on était historiquement avec des immigrations européennes. Une autre différence assez fondamentale par rapport à ce qu'on a connu historiquement, c'est que ces immigrations précédentes, les Belges, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, à différents moments de notre histoire, en gros du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e, au début des années 70, pour les Portugais, pour les derniers, c'était des immigrations qui étaient contingentées dans le temps. C'est-à-dire, ça se faisait sur une génération, 15, 20, 25 ans, 30 ans. Les Polonais, dans le Nord, le Pas-de-Calais, c'est le lendemain de la Première Guerre, jusqu'aux années 30. L'immigration portugaise, dont je parlais, c'est la fin du salazarisme, c'est les années 60 jusqu'au début des années 70. Là, cette immigration contemporaine, ces immigrations, parce qu'elles sont très diverses, ne se sont pas interrompues depuis les années 60. Et même maintenant, il y a
un phénomène de renouvellement où on a une immigration sud-africaine qui tente à prendre le pas sur l'immigration maghrébine. Pourquoi je dis ça ? Parce que si ces flux sont persistants, eh bien, vous voyez bien que l'accueil et la répartition de ces arrivants et des descendants de ces arrivants sur le territoire national va répondre à des logiques qui sont différentes de celles qu'on a connues historiquement. Historiquement, l'immigration se fixait essentiellement dans les grandes villes, mais plus précisément encore dans les principaux bassins industriels du pays. C'est-à-dire là, on avait des besoins de main-d'œuvre. Et donc, quand on regarde la carte de l'immigration en France, elle porte encore les traces de cette implantation historique. Ce n'est pas pour rien que la Seine-Saint-Denis est le département qui est le plus concerné, puisque c'était, avec la plaine Saint-Denis, aux portes de Paris, un territoire où on avait la deuxième plus grosse concentration d'industrie lourde. On l'oublie toujours, la plaine Saint-Denis, il y a aujourd'hui le Stade de France, mais avant il y avait énormément d'usines, c'est pour ça aussi qu'on y votait communiste. La deuxième plus grosse concentration d'industrie lourde après la Roure en Europe. Et donc il fallait de la main-d'œuvre pour faire tourner ces usines. Et donc ça a été d'abord les Italiens, les Espagnols, puis les Maghrébins. Donc la carte de l'implantation historique de l'immigration porte la trace de ce phénomène-là. Sauf que le phénomène n'étant pas interrompu, les départements ou les territoires qui ont accueilli historiquement, bien aujourd'hui, ont des capacités d'accueil qui commencent à être limitées ou à être atteindre leur point maximal. Et donc, on a aujourd'hui, on le voit, notamment pour l'immigration la plus récente, qui est l'immigration sud-africaine, une distribution de cette population ou de ces populations un peu partout sur le territoire, y compris dans des départements ou dans des zones dans lesquelles, historiquement, on n'avait jamais ou très peu été confronté au phénomène migratoire. C'est typiquement le cas de toute la façade atlantique, en gros de la Manche jusqu'à Biarritz, qui n'était pas non plus une France très industrielle, donc on n'avait pas eu historiquement besoin de cette main-d'œuvre immigrée. Et donc on voit aujourd'hui dans toutes les villes de l'ouest de la France, grandes, moyennes ou petites, l'apparition d'une population immigrée souvent sud-africaine, subsaharienne, excusez-moi, et tout ça aussi partie liée à la modification du mécanisme d'attribution des logements sociaux, qui historiquement se faisait, quand vous déposiez une demande, c'était sur une base départementale. Aujourd'hui, c'est un fichier national. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, dans les départements qui ont accueilli précocement, donc typiquement l'Île-de-France, la région de Marseille, l'agglomération lyonnaise, le taux de logements sociaux disponibles où ces populations sont préférentiellement logées, ou prioritairement logées, bien, étant occupées, il faut distribuer ou il faut répartir cette population nouvellement arrivée dans d'autres territoires qui, comme on le dit sur le marché de l'immobilier, sont moins sous tension. Et donc c'est ça aussi qui participe à à l'élargissement territorial de la présence immigrée en France. Et ce mécanisme-là n'est pas pour rien non plus, sans doute, dans la progression du vote RN dans des territoires où, historiquement, il était assez faible. Et je reviens sur cet exemple du Grand Ouest français, qui a souvent été, à juste titre, présenté comme un territoire hermétique au vote RN, mais aussi parce que, ce n'était pas immanent comme choix, c'était aussi parce que les ingrédients qui, ailleurs, faisaient la dynamique frontiste étaient, dans ces endroits-là, moins présents, notamment le phénomène migratoire. Il y a un autre argument que vous mettez aussi en avant, c'est le fait qu'il y a un taux de vacance très important dans les HLM, les logements sociaux, de certains territoires qui ont été désertés pour des raisons économiques et dans lesquelles, du coup, il y a un problème de nombre de personnes dans ces communes. Oui, alors voilà, ce phénomène de l'attribution des logements sociaux, donc on est passé à un fichier national. Donc, comme je disais, dans des départements très demandés,
première, deuxième couronne francilienne, typiquement, l'agglomération lyonnaise ou autre, le taux de vacances dans le parc HLM est assez faible. Et en général, immigré ou non, quand vous obtenez un logement dans ce type de, d'établissement, compte tenu de, votre niveau de ressources, en général, vous y restez un certain nombre d'années. Et donc, le taux de rotation n'est pas forcément élevé. Et comme la demande est toujours très forte, eh bien, les pouvoirs publics ont regardé s'il n'y avait pas des endroits où, encore une fois, l'offre était moins abondante et les places disponibles étaient plus nombreuses. Et c'est le cas notamment dans l'Ouest, mais pas seulement, dans d'anciennes villes industrielles, où, là, on revient sur notre longue histoire, où on a construit le logement social pour loger la population ouvrière qui sortait des campagnes. Donc, c'était l'exode rural, enfants de paysans qui allaient... la caricature sociologique, mais le raccourci sociologique qui allait travailler à l'usine. Et donc, il fallait loger rapidement et de manière correcte et à pas trop cher cette population ouvrière. Donc, je reviens aussi là-dessus, toutes les villes, les petites villes ou les villes moyennes ouvrières, elles ont toutes été construites sur le même modèle, l'usine, la cité ouvrière et le stade. Le foot au nord, le rugby au sud. Et donc, quand l'usine a fermé, bah, il reste le stade, ça c'est clair, mais il reste aussi la cité ouvrière, les logements sociaux, mais toute une partie de la population, eh ben, au bout d'un moment, soit elle décède, parce que les usines ont fermé il y a 25 ou 30 ans, et donc cette population a vieilli, soit elle part, parce que quand on est encore en âge de travailler, il n'y a plus forcément de travail dans ce coin-là. Et donc, les pouvoirs publics se disent, mais et les bailleurs sociaux se disent, bah, on a du logement vacant, qu'est-ce qu'on va y faire? Donc, parfois, on détruit ces tours quand il n'y a plus assez d'habitants. Mais on se dit, mais on peut accueillir une nouvelle population. Et c'est par ce truchement-là aussi que ces villes moyennes, aujourd'hui, accueillent une population issue de l'immigration. Et encore une fois, j'insiste, souvent une immigration la plus récente. Oui, que vous mettez en avant, effectivement, sur ce phénomène subsaharien, mais également vous appuyez aussi sur l'ouvrage d'Anne Niva, de populations qui viennent aussi d'Afghanistan, etc., qui est vraiment différent. Ou d'ailleurs, hein, et donc on a effectivement la population afghane, on a dans certains endroits... des Tchétchènes aussi. Des Tchétchènes, alors ce sont pas très très nombreux, mais des communautés comoriennes, alors soit qui viennent de Mayotte, qui ont une nationalité française, soit qui viennent de... du reste des Comores. Et puis ensuite, comme les anthropologues, les ethnologues et les sociologues l'ont toujours montré, puis comme l'exemple américain le montre spectaculairement, vous avez des phénomènes de recréation de communautés, c'est-à-dire que de diaspora. Les premiers qui sont arrivés, eh bien, font office un peu de tête de pont, et ceux qui arrivent ensuite, les proches, la famille, les amis, et de proche en proche, on va se dire, quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, la première tendance, c'est d'essayer de trouver, si vous n'avez pas des co-nationaux ou des gens qui sont du même coin que vous. Et donc, vous allez, si possible, essayer de vous y installer. Les villes américaines se sont construites comme ça. Et donc, on a, aujourd'hui en France, dans des petites villes moyennes, la recréation, donc on parle de l'Italie à New York, mais de petites communautés de différentes nationalités ou différentes origines, parfois très éloignées du terroir d'accueil, mais qui se sont constituées de cette façon-là. Depuis le mois de septembre 2023, Livre Noir s'est lancé dans un nouveau combat, celui des kiosques à journaux. Désormais, aux côtés de Libération ou Le Monde, trône un nouveau magazine trimestriel, le vôtre. Après un premier numéro à succès sur l'immigration, notre second numéro, Une Terre, Deux Peuples, vous emmène au cœur de la guerre de civilisation sur notre territoire. N'attendez plus et procurez-vous ce magazine d'enquête en kiosque pour mener le combat à nos côtés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.livrenoir.fr. Bon entretien. C'est intéressant parce qu'en fait, quand vous utilisez cet argument d'HM, d'un côté, on peut se dire, en fait, c'est une... possibilité de loger justement des personnes immigrées qui sont dans des territoires tendus comme la Seine-Saint-Denis, de les loger ailleurs, mais c'est également une opportunité pour certains territoires dépeuplés d'avoir une nouvelle population qui arrive. Tout à fait, et puis pour le bailleur, d'avoir faire marcher son modèle. D'avoir son modèle qui, voilà. Il y a, si je voulais vous faites un focus que vous aviez fait également sur l'archipel français, sur la Seine-Saint-Denis, notamment pour...
parler de cette transformation du vote communiste. J'aimerais justement partir sur un sous-titre que vous avez choisi. Vous êtes inspiré de ce qu'avaient écrit Hervé Lebras et Emmanuel Todd en 1981 en disant « Marx et Jésus » et vous, vous l'avez intitulé « Marx versus Mahomet ». Pourquoi ? Alors, rendons hommage à nos illustres aînés. Donc, Todd et Lebras écrivent « Dans l'invention de la France » au début des années 80, écrivent l'organisation de la société française et ils mettent en exergue ou en lumière une opposition fondamentale qui structurait la sociologie et les comportements électoraux et la géographie électorale en France dans les années 60, enfin, en gros des années 50 aux années 70-80, début des années 80, donc le livre sort en 82. C'était l'opposition entre la France catholique et la France communiste. On pourrait dire que c'est un peu la matrice Don Camillo Pépone qui font. Et comment ils arrivent à ça ? Eh bien, ils font une analyse au niveau départemental. Et donc, il y a une carte qui est très intéressante, qui montre, donc sur la même carte de France, les 20 départements où le vote communiste est le plus élevé et les 20 départements où la pratique religieuse catholique était encore la plus importante. Et donc, à part les Côtes d'Armor, il y a une espèce de spécificité bretonne, il n'y a aucune zone de recoupement. Et donc, on a une France catholique et une France communiste. Et donc, Lebras et Todd travaillent là-dessus en disant, voilà, c'était deux systèmes de valeurs complètement opposés et qui structuraient en fait la société française. Et donc, ils expliquent bien que c'était un affrontement sociologique, mais aussi quasiment métaphysique. Et il y a ceux qui croyaient au ciel et ceux qui croyaient à la cité de Dieu, les autres la cité du soleil, etc. etc. Et donc je me suis inspiré de ça en disant, mais aujourd'hui, le catholicisme est quand même en déclin plus que prononcé, le communisme également, mais qu'en est-il dans un des bastions historiques du PC, à savoir la Seine-Saint-Denis ? Et donc aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, il y a encore une implantation communiste qui est non négligeable, hein, le PC tient encore un certain nombre de villes, mais il est confronté dans, son affrontement en tant que parti profondément athée, il est confronté aujourd'hui à un autre concurrent sur le plan spirituel qui n'est plus le catholicisme, mais qui, dans le cœur de son fief, aujourd'hui est l'islam. Et donc c'est en hommage aux travaux pionniers de Todd et Lebras que donc j'ai appelé cette carte Marx versus Mahomet, où j'essaie de représenter l'implantation du PC au regard du nombre de permanences électorales. Parce que quand un parti a une permanence électorale dans une ville ou un quartier, c'est à partir de là où il rayonne. Et donc si on fait un peu de géopolitique au sens de d'Yves Lacoste ou de Béatrice Gibelin, c'est comment un parti politique, une entreprise politique, un appareil politique arrive à asseoir son implantation et son contrôle sur un territoire. Donc ça passe, une logique territoriale, ça passe par des présences physiques, et notamment ces fameuses permanences. Et donc on a la carte des permanences du PC en Seine-Saint-Denis, et en face, si on fait le décalque, eh bien là aussi, une religion, catholicisme ou islam, assoit aussi son influence territorialement par la présence de ces lieux de culte, hein, qui sont soit symboliquement très, très marquants, une cathédrale, une grande mosquée, mais qui sont soit sociologiquement très importants, c'est-à-dire c'est là on va s'y rassembler, et c'est là on va diffuser le message de l'institution, à la fois pour les adultes, mais aussi souvent pour les plus jeunes, avec les cours d'éducation religieuse, etc., etc. Et donc, quand on met en regard en Seine-Saint-Denis le maillage des permanences communistes et le maillage de mosquées, on voit qui, de Mahomet ou de Marx, a pris l'ascendant spirituel dans ce qui a été pendant longtemps le fief de la banlieue rouge. C'est ce qui est passionnant dans votre ouvrage d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de cartes et d'images justement. Donc là, on voit cette superposition avec la carte à gauche, la carte à droite, des locaux du PS et des mosquées en Seine-Saint-Denis. Du PC, pardon. Il n'y en a plus beaucoup des locaux du PS en Seine-Saint-Denis. Ça m'amène justement à la question du vote Mélenchon. Et j'aimerais partir, pour rester un petit peu, en tout cas pour partir de cette question du vote communiste, sur la comparaison entre les villes dans lesquelles il a été très fort, notamment en Seine-Saint-Denis, et certains endroits, certaines villes
de François Ruffin, vous en parlez, qui, pour le coup, ont beaucoup plus voté communiste, alors que Ruffin appartient au même parti que Mélenchon, pour des raisons que vous expliquez. Oui, alors, si on essaie de faire la... Parce que ça permet de comprendre aussi la différence entre le vote populaire pour Mélenchon et le vote populaire pour Marine Le Pen. Tout à fait. Alors, si on essaie de faire rapidement la radiographie de l'électorat mélenchoniste, au premier tour de la présidentielle, c'est un électorat qui est composite. Parce que vous ne faites pas, dans une société archipélisée, 22% des voix sans être en capacité de parler à différentes îles de l'archipel. Et donc, quand on regarde donc, les sondages, qui sont précieux pour regarder la sociologie, les effets de génération, mais également la carte électorale pour comprendre les logiques territoriales, on constate différentes choses. D'abord, l'électorat Mélenchon, c'est d'abord un électorat des métropoles, et notamment du cœur des métropoles, dans lesquelles Mélenchon a capté toute une partie, pour aller vite, du vote bobo, c'est-à-dire le vote des classes éduquées, souvent relativement jeunes, qui historiquement avaient fait la puissance du PS dans ces grandes villes, la plupart de ces villes, Nantes, Lyon, Paris, étaient dirigées ou sont encore dirigées par des socialistes. Ils s'appuyaient sur cette sociologie-là. Et à la fois, pour des raisons idéologiques et par une logique de vote utile, tout cet électorat-là a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, a fortiori dans ces grandes métropoles où la présence universitaire et étudiante est très marquée. Si on regarde Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes, Grenoble, Lyon, on est sur des scores à 30-35% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Donc il y a tout cet électorat-là, la fameuse génération climat, mais également classe moyenne sup de gauche, pas forcément totalement en adéquation ou en osmose avec le discours assez radical de Mélenchon, mais qui par, identification à la gauche et puis réflexe de vote utile, ont voté pour lui. D'ailleurs, si je peux me permettre une parenthèse, vous dites, et c'est très intéressant, que vous dissociez complètement le vote Mélenchon de celui de Macron et Le Pen, où là on voit ceux qui sont moins éduqués, ceux qui sont plus éduqués, si je peux me permettre l'expression, et celui d'un électorat de Mélenchon qui, en fait, paradoxalement, contrairement à ce qu'on entend, est beaucoup plus divers en termes de catégories oui. socio-professionnelles, y compris chez CSP+, où il est, je crois, autour de 20% oui, alors, auprès du privé, des cadres du privé. Voilà, donc on a des cadres du privé, mais vous voyez, typiquement, des professionnels du monde de la culture, phénomène des intermittents du spectacle, si on caricature, des enseignants, des travailleurs sociaux, des universitaires, donc tous ces publics-là, ils ont un capital culturel, pour parler comme Bourdieu, qui est élevé, et ils ont voté Mélenchon. Donc ça, c'est la première composante de ce vote Mélenchon. Deuxième composante, classique, ce qui reste de ce qu'on appelait historiquement le mouvement ouvrier organisé, donc c'est les salariés, souvent ouvriers employés, à statut ou non, donc fonction publique notamment, mais pas seulement, qui se disent proches d'un syndicat. La CGT a fait, même si les rapports étaient compliqués avec Mélenchon, plus de 40-45% des gens qui se disent proches de la CGT ont voté pour Mélenchon. Donc on voit à la SNCF, à EDF, etc. etc. Et donc dans des vieux bassins industriels où on a encore des usines qui tournent avec une présence syndicale forte, les gens qui sont proches de ces syndicats, la FO également, ont quand même pas mal voté pour Jean-Luc Mélenchon. Troisième composante de cet électorat Mélenchon, ce qui n'est pas souvent souligné, c'est un électorat rural, notamment dans le sud de la France, dans des zones où l'idéologie ou la culture de la décroissance, de l'altermondialisme, typiquement, vous voyez, des combats qui ont pu être portés par des gens comme José Bové, la mouvance Attaque, des gens de la Confédération paysanne, tournés vers l'agriculture bio, par exemple, a imprégné ces territoires-là. Donc si vous prenez une espèce d'arc décroissant qui part, alors c'est pas le littoral, hein, mais qui part de l'Ariège,
dans les Pyrénées pour aller jusqu'au Vercors et le sud des Alpes, en passant par le Minervois, les Cévennes, les Causses, etc., etc. Donc là aussi, on a un vote Mélenchon qui a été très puissant. Donc un vote alter, alter décroissant, etc. Et donc là, on est très loin du cœur de nos villes. Et puis, on a une autre composante très importante également de l'électorat Mélenchon, que moi j'appelle le vote banlieusard, qui est le vote des banlieues, et plus spécifiquement des grands ensembles. Alors, sur ce vote-là, on a deux dimensions explicatives. On a d'abord une dimension sociale. On voit, nous, dans nos enquêtes, que les personnes qui disposent du plus faible niveau de revenu, donc souvent travailleurs précaires, temps partiel, mais aussi bénéficiaires de minima sociaux, ont voté préférentiellement pour Jean-Luc Mélenchon. Les communes les plus pauvres de France ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête, ce qui est assez logique, puisque Mélenchon était très offensif sur toutes ces questions-là. Question des inégalités, augmentation du SMIC, instauration d'un SMIC jeune, titularisation des précaires ou des contractuels dans la fonction publique, etc. etc. Mais à cet élément-là, à ce paramètre social, qui est très important dans ces territoires, s'ajoute un deuxième paramètre, un deuxième facteur, qui est le facteur, on revient à Siegfried, religieux ou ethno-culturel, savoir l'électorat qui est issu des immigrations et qui, pour beaucoup, est de culture ou de confession musulmane. Et donc là, dans nos sondages, à l'IFOP, on a montré que 69% des Français qui se déclaraient de confession musulmane avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Dans l'archipel français, on n'a aucune autre île ou îlot de l'archipel qui a voté aussi massivement et aussi homogènement pour un candidat au premier tour. Par comparaison, Emmanuel Macron, par exemple, fait 42% parmi les cadres du privé, qui était le cœur de son électorat, donc c'est un score très important, mais c'est 42%, donc il y en a 58% qui n'ont pas voté pour lui. Là, c'est 69% des musulmans, donc c'est un vote ultra massif pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc on retombe à Siegfried, qui disait, voilà, quand le facteur religieux, dans certaines conditions, est activé politiquement, il devient extrêmement puissant. Alors, pourquoi cet électorat a voté pour Mélenchon ? Il y a le facteur social, on l'a dit souvent c'est un électorat modeste, etc. Mais c'est aussi un électorat qui a considéré que Jean-Luc Mélenchon était le seul à le défendre. Hein, il y a beaucoup de reportages de terrain qui ont été faits en disant, face à la montée de Zemmour et de Le Pen, le seul qui nous protégeait, le seul qui parlait correctement de nous, c'était Mélenchon. Et Mélenchon a aussi envoyé de très nombreux signaux, Mélenchon et leur lieutenant, ses lieutenants ont envoyé de très nombreux signaux à cet électorat. Les opposants de Mélenchon, en le qualifiant d'islamo-gauchiste, ont participé aussi à ce phénomène d'identification. Donc si nos adversaires, ceux qui nous veulent du mal, disent que Mélenchon est islamo-gauchiste, ça veut dire que c'est le seul qui va être de notre côté. Et donc cette mécanique s'est mise en place, elle était déjà existante en 2017, Mélenchon avait fait plus de 45% chez les musulmans, mais ça a été amplifié en 2022, notamment par le fait que Benoît Hamon, qui était le candidat du PS en 2017, qui avait fait un score non négligeable dans l'électorat musulman, n'était pas candidat l'année en 2022, et toute une partie de cet électorat-là a bifurqué vers Jean-Luc Mélenchon. Et on le voit aussi, donc là je parlais des sondages, et petit point de méthode, on essaye de manier ou de marier la carte électorale et le camembert du sondage. Quand on regarde les cartes électorales, c'est très frappant également. Jean-Luc Mélenchon fait 45% au premier tour en Seine-Saint-Denis et 60%, je parlais de Benoît Hamon, 60% dans la ville de Trappes. Et puis en Seine-Saint-Denis, comme en région lyonnaise ou comme à Marseille également, mais ça vaudrait partout en France. Quand ensuite vous affinez la focale et qu'on descend au niveau du bureau de vote, donc un bureau de vote en général c'est 1000 à 1500 électeurs, hein, donc vous voyez, notamment en zone urbaine, c'est un,
un périmètre géographique qui est très restreint. On s'aperçoit que le score, par exemple, qui est le score moyen de 45% en Seine-Saint-Denis, va monter à 60, 65 ou 70%, voire 80% dans les bureaux de vote qui correspondent au périmètre des cités, avec souvent une abstention qui est bien plus forte. Mais donc, là où les deux effets jouent à plein, c'est-à-dire à la fois la variable sociale, c'est là où se concentre la population la plus modeste, et également, c'est là où la population issue des immigrations est la plus représentée, se sent aussi la plus discriminée, parce qu'étant ghettoisée, etc., etc. Et donc, c'est là où le mécanisme opère le plus. Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants ont parfaitement identifié ça, et ça s'est retrouvé aux législatives quand LFI a fait le grand chelem en Seine-Saint-Denis, et quand la plupart des lieutenants mélenchonistes sont élus dans ce type de circonscription. Donc soit l'Est parisien, où on mélange quartier bobo et quartier de logements sociaux, soit dans les banlieues. Donc j'ai parlé de la Seine-Saint-Denis, mais c'est également le cas dans d'autres, dans le Val-de-Marne également, où vous avez quelqu'un comme Julien Guiraud, qui est élu à Roubaix, donc il y a une ville qui est très marquée par l'immigration. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui a laissé sa circonscription marseillaise, où il y avait la Canebière, etc., etc., un de ses principaux fidèles. Et donc aujourd'hui, il joue à fond sur cette carte-là, et c'est fort de cela qu'on peut comprendre notamment l'attitude très claire de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit israélo-palestinien et les déclarations ou les non-déclarations sur le statut du Hamas, sur aussi la question de la laïcité, etc. etc. Donc il y a une stratégie qui est très délibérée. Après ce très long détour, je reviens à votre question, sur ce qui se passe avec François Ruffin. Moi, j'ai coutume de dire qu'on fait souvent la politique de sa circonscription et qu'un politique, comme je parlais tout à l'heure du diagnostic, eh bien, pour qu'il soit élu dans un territoire, il faut qu'il porte un regard sur ce territoire, qu'il soit en phase, il faut qu'il soit imprégné par ce territoire. Et donc, ce n'est pas, de ce point de vue, étonnant que beaucoup de figures des Insoumis nous parlent de discrimination, des violences policières, de la question de la baïa, etc., parce qu'ils sont élus dans des territoires où ces questions se posent de manière aiguë. Ruffin, lui, est élu dans une circonscription de la Somme, qui est une circonscription sociologiquement et géographiquement hétérogène, qui comprend les quartiers nord d'Amiens, qui sont des quartiers d'habitats sociaux, où les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure sont très présents, mais dont toute une partie de la circonscription remonte jusqu'à la vallée de la Somme, jusqu'à Abbeville, où là on est dans des zones rurales ou périurbaines qui correspondent aussi à d'anciens bassins industriels assez sinistrés. Le cœur battant du dispositif électoral de Ruffin, c'est la petite ville de Flixécourt, où il milite beaucoup et qui a été très fortement touché par la désindustrialisation, notamment des industries textiles. Et Ruffin a montré ça très bien dans un certain nombre des films qu'il a pu faire, il parle beaucoup de ces coins-là. Et là où il y a une vraie spécificité de Ruffin, c'est que Ruffin, aux législatives, est parvenu à, même si l'abstention était plus forte, hein, à obtenir à peu près le même score que celui de Mélenchon quelques semaines plus tôt dans la partie Amiens-Nord. Donc il a eu le vote des cités avec l'étiquette ou le dossard insoumis. Et souvent, dans les affiches de sa propre candidature, il y avait le portrait de Mélenchon à côté du sien. Et puis, on avait d'autres types d'affiches et un autre type de discours dans la partie rurale et périurbaine de sa circo, où, pour le coup, il amplifie très singulièrement le score qu'avait obtenu Mélenchon. C'est-à-dire que lui, sur son image, sur son ancrage, sur son discours également, parvient à capter une frange d'un électorat populaire périurbain qui, à la présidentielle, manifestement a pu voter pour Le Pen, mais qui, parce que c'est lui, dans ce coin-là, peut voter pour Ruffin. Et donc, on voit aujourd'hui les tensions qui existent sur les tensions stratégiques entre Ruffin et, j'allais dire, le comité central de la France insoumise, sur
le fait de savoir, est-ce que on met uniquement le paquet sur la France des quartiers et on abandonne au Rassemblement national l'électorat populaire de la France périphérique, parce qu'on considère qu'il n'y a rien à aller chercher là-dedans, ou est-ce que, comme Ruffin, on dit, on ne se résigne pas à ça, et nos marges de progression et l'honneur de la gauche, c'est de reconquérir cet électorat-là. Mélenchon a évolué sur cette question, parce qu'en 2012, première élection présidentielle à laquelle il participe, il fait un score de 10-11%, décide dans les semaines qui suivent de se présenter aux législatives, et il est encore dans le schéma traditionnel de la gauche radicale, c'est-à-dire on va être front contre front. C'est le front de gauche. Il s'appelait le front de gauche, donc l'imaginaire c'est celui de la guerre d'Espagne, c'est le siège de Madrid, hein, il fait référence à ça, il dit on va aller défier Le Pen dans son fief à Hénin-Beaumont. Et donc il se présente aux législatives à Hénin-Beaumont, dans le cœur de l'ancien bassin minier du Pas-de-Calais, où il se fait écraser. Il est pris en étau entre Marine Le Pen et un candidat socialiste local, qui est quand même un baron local et qui est encore assez implanté. Et donc je pense qu'il a très fortement médité cette déroute. Et cinq ans plus tard, en 2017, il se représente à la présidentielle, il fait un score bien plus élevé, près de 20%. Et là, où se présente-t-il aux législatives ? À Marseille, sur la circonscription de la Canebière et d'une partie du quartier du Panier, qui est une des circonscriptions les plus marquées par l'immigration de France. Et donc le discours mute, et progressivement, on a une adaptation du discours du candidat et du parti à la sociologie qu'il entend représenter. Ça m'amène à une question en deux temps, c'est que vous dites aussi que Mélenchon s'est adressé à l'électorat musulman, mais également que certains représentants musulmans ont envoyé des signaux. Et ça m'amène justement à un deuxième point qui permet aussi peut-être d'essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est qu'on entend souvent que Jean-Luc Mélenchon cherche à radicaliser son discours parce qu'il y a la question aussi de l'abstention au cœur des banlieues et de cet électorat musulman. Donc ma question c'est, est-ce que oui, il y a une mobilisation des institutionnels, etc., musulmans aujourd'hui en France ? Et deux, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait véritablement faire débaisser massivement l'abstention au cœur de cet électorat sur d'autres prochaines élections, par exemple ? Parce que souvent, on dit, c'est fou, la stratégie qu'il a, il s'adresse à des gens qui n'ont pas voté, il perd le centre-gauche. Alors, il y a plusieurs questions dans votre propos. La première, c'est l'éventuel soutien, mobilisation en faveur de Jean-Luc Mélenchon de responsables religieux ou associatifs ou leaders d'opinion musulmans. Alors, ça a existé, ça a été documenté. Il y a eu des articles de presse là-dessus sur des boucles WhatsApp, des prêches à la sortie ou des consignes données à la sortie de certaines mosquées, etc. etc. Mais on parlait tout à l'heure de Don Camillo et Pépone et puis de Marx et Jésus. L'islam, on le sait, en tout cas l'islam sunnite, ne dispose pas d'un clergé structuré, organisé, comme pouvait l'être ou comme l'est l'Église catholique. Et donc, si des consignes ont pu être données, elles sont le fait d'individus isolés et d'initiatives locales. Donc, c'est pas... un grand conseil musulman centralisé qui aurait appelé et que ça aurait été relayé dans toutes les mosquées. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça veut pas dire que ça n'a pas existé localement et ponctuellement et que ça a pu avoir localement un effet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants sont... ont été très marqués et très amers de constater qu'en 2017 comme en 2022, ils avaient raté à assez peu la qualification au deuxième tour. En 2022, il a manqué à Jean-Luc Mélenchon, qui fait quand même 22% des voix. Hein. Donc Marine Le Pen fait 23,5%. Il a manqué un peu plus de 400 000 suffrages pour être devant Marine Le Pen et surtout donc pour être au deuxième tour. On peut dire 400 000 suffrages, c'est beaucoup. On rappelle à nos auditeurs qu'il y a 60 000 bureaux de vote en France.
Donc en gros, c'est 7 bulletins par bureau de vote. Mélenchon est passé à 7 bulletins par bureau de vote de la qualification pour le second tour. Il se dit, on était vraiment très proches. Et, premier point. Deuxième point, il considère, il au pluriel, que ce qu'il aura manqué, on peut aller le chercher dans, j'ai employé un terme que les marxistes utilisaient jadis, c'était l'armée de réserve. Les chômeurs, c'était l'armée de réserve du capitalisme pour faire pression sur les salaires. Et bien là, chez les mélenchonistes, l'armée de réserve aujourd'hui, c'est les abstentionnistes. Notamment dans ces quartiers où, il est vrai, l'abstention est plus élevée qu'ailleurs. Donc, on est passé à très près de la qualification. Il y a un réservoir qui nous tend les bras d'abstentionnistes dans ces quartiers. Et donc, la question qu'ils se sont posées, c'est comment on dégèle cette réserve pour la faire rentrer dans le match à notre profit. Et ils se sont convaincus que c'est en parlant, comme il le dit, dru et cru, notamment sur la question de la laïcité, notamment sur la question du conflit israélo-palestinien, que on va dégeler cet électorat en sa faveur. Je suis assez réservé sur cette dernière partie de l'équation, et je ne suis pas convaincu que cet électorat abstentionniste des banlieues puisse retrouver le chemin des urnes parce qu'on aurait parlé ce type de choses. Moi, je n'ai pas d'indicateur qui me permette de me prononcer là-dessus. En tout cas, c'est la stratégie qui est la leur. Alors, d'aucuns ont dit, notamment à gauche, mais ce truc est un jeu à somme nulle, parce que ce qu'il va essayer de gagner sur sa gauche dans les quartiers, en radicalisant très fortement le propos sur tout un sujet, toute une série de sujets inflammables, il va le perdre en contrepartie dans l'électorat du cœur de la métropole, des métropoles, qui ont parlé de l'électorat bobo, de gauche, qui se disent que là, cette fois, c'est allé trop loin, qu'on ne peut pas voter pour lui. Alors, dans la psychologie et dans l'histoire mélenchonienne, il faut introduire un autre ingrédient, c'est le souverain mépris pour l'électorat de la gauche classique, qui est très partagé dans l'état-major mélenchoniste. Dont il vient, mais justement, il a des comptes à régler, il les appelle les solferiniens, etc., etc. Et donc, il en pense pique pendre, et se dit, certes, aujourd'hui, il pousse des cris d'orfraie, mais lors de la prochaine présidentielle, je vais créer cette dynamique parce que j'ai le talent pour le faire. J'aurai ce nouvel électorat radicalisé qui nous donnera la force propulsive nécessaire. Et cet électorat de gauche qui aujourd'hui se bouche le nez et détourne le regard, comme de toute façon je vais plier le match à gauche et qu'on n'aura aucune autre personnalité politique qui m'arrivera à la cheville, au bout du bout, comme les deux dernières fois, même en se bouchant le nez, cet électorat bobo, de gauche molle, sera obligé de venir à nous. Et donc, CQFD, la stratégie sera payante. Mais il y a beaucoup de si dans cette stratégie, mais je pense que c'est cette grille de lecture qu'il faut adopter pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place comme processus. Et avec un contexte aussi d'avenir, dans la mesure où vous le citez à un moment donné, sur certains endroits, on pense à Seine-Saint-Denis, vous dites que les nouveau-nés sont majoritairement de prénoms à consonance arabo-musulmane, donc dans le sens aussi où il aurait l'histoire avec lui en termes d'élection. Alors, on retombe sur le marxisme, c'est-à-dire que la nouvelle loi historique, ce serait celle-ci. Il en est convaincu. Moi, je parle de société archipélisée. En langue mélenchonienne, on parle de France créolisée. Donc, on théorise la créolisation. Et rappelez-vous d'une photo de la place de la République le jour d'un week-end de manifestation de soutien à la cause palestinienne. Vous l'avez dit, c'est ça la France. Voici la France, ou c'est ça la France. Et cette manifestation, ce rassemblement avait créé pas mal de polémiques parce qu'on y avait entendu à plusieurs reprises Allah Akbar. Donc il y avait à la fois des drapeaux palestiniens, mais aussi pas mal de drapeaux de la France insoumise, d'organisations syndicales de gauche. Et donc Mélenchon
présent dans cette manif, poste sur son sur Twitter, sur X, je ne sais plus si on avait déjà changé à l'époque, cette photo en disant voici ou ceci est la, c'est ça la France. Et donc il est clairement dans ce schéma-là et il entend être aujourd'hui le représentant de cette France des quartiers, cette France créolisée, qui doit avoir un débouché politique. Vous en parlez un peu, entre Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il y a aussi un nouvel acteur qui émerge, vous y consacrez aussi un chapitre, qui permet de mettre la focale notamment sur la question insécurité et immigration. C'est des médias par exemple comme CNews. Comment vous analysez un petit peu cette montée, même aujourd'hui, ça devient un peu du groupe Bolloré, ça devient un ensemble de médias, une constellation. On a, je trouve, pour l'instant, assez peu analysé l'impact que ça pourrait avoir en termes électoraux, parce que jamais on a eu un tel groupe sur une élection présidentielle. Oui, alors j'en parle dans le livre, en prenant le cas de CNews, mais également l'influence des réseaux sociaux, avec des chaînes YouTube ou des individus qui postent un certain nombre de vidéos. Et donc, j'essaie de scinder les choses en disant il y a, sur la question de l'insécurité et de l'immigration, les phénomènes objectifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une montée des choses, mais qui déjà, je pense, mécaniquement produiraient des effets, parce que les gens voient, mais cette réalité-là produit d'autant plus d'effets qu'elle est aujourd'hui donnée à voir par un certain nombre de médias professionnels ou via les réseaux sociaux, par un écosystème médiatique qui est assez sensible à ces thématiques-là, à ces sujets-là, qui s'est structuré, qui gagne en part d'audience et qui n'était pas présent historiquement. Alors d'aucuns à gauche, notamment, ou en partie chez le macronisme, disent en fait, pour faire court, si le Front National monte et si Zemmour a fait le score qu'il a fait, c'est parce que le groupe Bolloré avait servi la soupe matin, midi et soir. Bon. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que les éléments qui sont véhiculés par ces médias-là ne sont pas inventés de toutes pièces, il n'y a pas de fake news. C'est-à-dire qu'on décide de ligne éditoriale, mais Edoui Plenel fait de même et il le revendique en disant être journaliste, c'est choisir ce qu'on décide de montrer. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on a des médias qui décident de mettre préférentiellement l'accent sur des thématiques et des sujets qui se trouvent être en phase avec l'agenda idéologique d'un candidat comme Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Donc, ça joue un rôle indéniable et ça va continuer de jouer un rôle indéniable. Mais attention, l'écho de ces médias n'existe que parce qu'ils ont du carburant en termes d'informations à faire passer dans leur tuyau, qui est ce carburant, c'est la réalité que j'ai décrite précédemment. Vous voyez, c'est les deux phénomènes. Dit autrement, si on avait uniquement eu la dégradation de la situation sécuritaire, la montée, la poursuite de la montée des flux migratoires, sans doute que la traduction électorale aurait été un peu moins importante qu'elle ne l'a été dans la mesure où il y a en plus une capacité à donner à voir et à faire caisse de résonance qui existe aujourd'hui, enfin depuis quelques années, et qui n'existait pas par le passé. Et qui influence aussi les décideurs aujourd'hui. Je crois qu'Emmanuel Macron regarde beaucoup aussi Pascal Praud sur CNews, ce qui n'avait pas forcément lieu il y a 3 ou 4 ans. Oui, alors, et vous voyez, de ce point de vue-là, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que le fait que sur les derniers mois, CNews ait fait jeu égal en termes d'audience, voire parfois ait dépassé BFM, c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire que c'est à la fois signe que la ligne éditoriale qui est posée par CNews, je reviens à ma question diagnostique, entre en résonance avec le diagnostic spontané qu'une part croissante de Français font. Et donc nous, la montée de CNews,
on l'analyse comme ça en disant c'est un peu comme nos sondages, hein, c'est-à-dire que c'est une prise de température. Et en même temps, quand vous avez de plus en plus de gens qui regardent ce type de médias, ça vient conforter cette grille de lecture et ce courant idéologique. Donc c'est les deux, quoi. J'ai une dernière question pour conclure cet entretien qui était passionnant. Vous avez utilisé un terme que vous avez conçu, que vous avez repris et popularisé, développé, qui est celui de la décivilisation, qui avait été repris par Emmanuel Macron, je crois, suite à une rencontre que vous aviez eue. Et ce terme aussi a eu des critiques. On avait déjà reçu des personnes ici qui disaient, dans le fond, on est assez opposé à cette idée de croire que, finalement, en face, ce serait uniquement des barbares. Notamment ces populations, c'était le cas sur Crépol. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont pu critiquer l'utilisation de ce terme ? Alors, peut-être qu'ils ont... Qui, en fait, était pour eux une façon de sortir de la logique d'une guerre de civilisation qui aurait aujourd'hui sur notre sol. Alors, moi, quand je parle de décivilisation, je ne m'inscris pas du tout dans la logique d'une guerre de civilisation. Oui, justement. C'est pas du tout ça. Je me réfère aux travaux d'un grand historien, d'un grand sociologue qui s'appelait Norbert Elias et qui, lui, avait travaillé sur ce qu'il avait appelé le process de civilisation. Donc, il remonte aux sorties de Moyen-Âge et il montre comment les sociétés occidentales, notamment par leur sommet, ce qui se passait dans les cours royales, sont entrées dans ce qu'il appelait un processus de civilisation. C'est-à-dire comment, de manière consciente ou non, dès le plus jeune âge, on a raffiné les mœurs, on a appris à mettre à distance le plus possible le recours à la violence, comment on a domestiqué les corps, comment les standards en termes d'hygiène, de savoir-vivre, de civilité, de politesse. Donc il travaille beaucoup sur, il n'y avait pas de données quantitatives hein, dans cette époque, à cette époque-là, mais sur les manuels de savoir-être, sur comment dans les cours est apparue la fourchette. On arrête de manger avec les doigts en se servant dans le plat. Comment on a appris à se moucher avec un mouchoir et plus dans sa manche. Comment la politesse s'est imposée et comment donc du coup, petit à petit, aussi l'économie psychique des individus et donc de la société a évolué en disant voilà, on va régler nos différends verbalement et pas physiquement, on va canaliser ses affects, on va prendre sur soi pour gérer sa frustration, etc., etc. Et donc, même si la violence n'avait pas disparu, c'est tout ce processus, alors c'est très très lent, hein, de civilisation qui s'était progressivement diffusé dans toute la société. Il y avait cette espèce de vernis civilisationnel qui faisait que le vivre ensemble, le fameux, était possible. Et moi, j'avais été marqué par ces travaux-là. Et puis, j'ai été marqué aussi depuis une quinzaine d'années par ma lecture de la presse quotidienne, mes observations de terrain que je peux faire, par la montée des incivilités. Donc, vous voyez que là, je ne suis pas du tout dans la guerre de civilisation, Crépol, etc. On est sur un niveau infra, si vous voulez, sur comment, dans les relations interpersonnelles, la situation progressivement, depuis une vingtaine d'années, se tend. Alors, c'est plein de scènes de la vie quotidienne. C'est deux automobilistes à un feu rouge à la suite d'une queue de poisson. Et comment on en vient à des mots très vulgaires, très vite, et puis assez rapidement, comment on peut y en venir aux mains. C'est les altercations entre un usager ou un client et un employé ou un salarié derrière un guichet, à la poste, à la caisse d'allocation familiale, comment les choses montent. C'est ce qui se passe partout en France chaque semaine sur les terrains de foot amateurs, où l'homme en noir, l'arbitre, n'est pas forcément historiquement bonne presse, il était souvent affublé de noms d'oiseaux, mais où, tout ça est documenté, des milliers d'arbitres amateurs posent le sifflet en disant « nous on arrête », parce que même pour un match de cadet ou de junior, on peut se faire casser la figure parce que la décision qu'on a prise n'a pas eu l'heure de plaire à tel ou tel. On regarde ce qui se passe dans les urgences des hôpitaux. On voit qu'on en a introduit aujourd'hui des vigiles pour essayer de réguler les tensions. On voit ce qui se passe dans les relations avec les pompiers, avec les médecins. Des médecins qui disent « je ne vais plus dans tel quartier » ou « je fais attention à ce que je dis », ce qui se passe avec les élus locaux.
Et donc, vous voyez que le maire, le pompier, le médecin, qui étaient, on ne parle même pas des policiers, parce qu'on peut dire que c'est un peu leur job d'aller au carton et de gérer la conflictualité, mais ces professions qui étaient sacralisées, eh bien, toutes ont mis en place des observatoires d'incivilité. Dans chaque département, l'association départementale des maires a pris contact avec la gendarmerie pour gérer ce type de situation. Et il y a des sessions de formation des maires à cette forme d'incivilité. C'est-à-dire, alors là encore, dans la vie très, très banale, un maire qui va refuser un permis de construire et qui va se faire casser la figure. Un maire qui est appelé dans une petite commune par un riverain parce qu'il y a un tapage nocturne chez le voisin un week-end. Et puis là aussi, ça va partir, comme on dit, en vrille. Et le maire va se trouver molesté ou menacé. Regardez aussi ce qui se passe avec les enseignants. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout, là pour moi, dans une guerre de civilisation. C'est le niveau infra, c'est le premier étage, où toutes ces manifestations, et c'est comme ça que je l'analyse, moi, me laissent à penser que le processus éliassien de civilisation, aujourd'hui, fonctionne moins bien, et que les mécanismes psychiques d'autocontrôle, si on est dans la psychanalyse, on parlerait de surmoi, les surmoi sont moins puissants qu'ils ne l'étaient. Et j'évoque aussi comment, dans le langage courant, des expressions comme le pétage de plomb ou le pétage de câble, vous les entendez quotidiennement. Ouvrière. Et donc, quand vous réfléchissez à ça, un pétage de plomb, c'est une surtension sur un système électrique. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable de gérer la tension et qui a dégoupillé. Le pétage de câble, c'est un langage maritime, c'est un bateau qui est amarré, le câble est trop tendu, et quand il y a trop de pression, le câble lâche, et le bateau part en dérive. Et donc, c'est pas pour rien que ces expressions sont imposées, et ça touche toutes les couches de la société. Mais est-ce que, si je peux me permettre de challenger là-dessus, c'est que, est-ce que dans le fond, cette idée de décivilisation, elle sera pas très juste, effectivement, pour, j'ai envie de dire, cette population aujourd'hui que c'est un peu appelé de souche, c'est-à-dire en fait ceux qui vont dire bah, il y a des gens, ils sont français d'ici depuis 400 ans, 500 ans, 1000 ans, mais ils sont touchés par ce phénomène-là. Et effectivement, ça n'oppose pas juste le français blanc européen qui, lui, est très sage face à l'immigré, etc. Donc la défiscalisation est très juste là-dessus. Mais est-ce que généraliser ce concept, ce n'est pas aussi une façon de mettre de côté le fait que le maire qui se fait le plus agresser, c'est celui de la Haie-les Roses, par des jeunes de quartier qui essayent de s'en prendre à sa femme et ses enfants, qu'il y a une surreprésentation de la violence au sein de populations immigrées, et qu'en fait, le facteur immigration aujourd'hui est un facteur différenciant d'une des civilisations, dans la mesure où eux viennent aussi de pays où ils n'ont pas eu la même civilisation que la nôtre. Alors, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que moi, je décrivais le processus général de décivilisation. Vous pensez que c'est accéléré par ça ou ça peut se combiner. Alors, là, les roses, c'est encore différent. Là, vous avez... là, on est sur autre chose. On est sur, et j'en parle aussi dans le livre, l'incrustation de l'économie mafieuse liée au trafic de drogue dans certains quartiers et comment les émeutes ont été instrumentalisées par certains caïds locaux pour essayer de faire reculer encore davantage l'autorité de la République en disant, là, on va régler nos comptes. Et donc, on envoie un commando de jeunes ou de moins jeunes s'en prendre à la famille du maire de l'Aïle-et-Rose qui est connu pour être dans un combat sans compromis avec les trafiquants. Donc là, si vous voulez, c'est encore autre chose, c'est la pointe ultra avancée sur les différences culturelles qui peuvent exister. Ça peut également jouer et participer aussi de ce phénomène. Moi, je les oppose pas, si vous voulez. Hein, mais vous voyez, quand à l'automne dernier, il y a eu le congrès de l'Association des maires de France, et à cette occasion, ils ont notamment publié un sondage qui avait été réalisé par le CVPOF qui disait que 60 à 70% des maires avaient été victimes d'incivilité. Donc, soit agression verbale, menace ou agression physique. On ne peut pas mettre tout ça sur le dos de l'immigration, hein, 60 ou 70%. Et donc, il y a un phénomène global dans la société, plus ensuite, j'allais dire, des phénomènes aggravants, trafic de drogue, différences culturelles. Je parlais d'économie psychique.
Vous voyez, dans certains endroits, c'est la loi du groupe, la loi de la bande, les phénomènes de Rix qui se développent, etc., etc. La réapparition, quelque chose qu'on avait là aussi, via le processus de civilisation enfoui, qui était, par exemple, le recours au couteau. On se rappelle les Apaches au début du XXe, sur les fortifications parisiennes, les surineurs dans le langage de l'argot parisien, tout ça, ça existait, mais les attaques au couteau, elles étaient un peu passées de mode, là aussi, par le processus de civilisation. Et puis là, ça revient parce qu'un certain nombre de mécanismes sont moins opérants, et puis aussi parce que certains groupes sociaux sont sans doute dans des constructions psychiques et des rapports sociaux qui sont différents de ce que, historiquement, on a connu. Merci beaucoup, Jérôme Forquet, pour cet entretien qui était vraiment passionnant. On pourrait prendre des heures entières pour justement le décrire. J'invite vraiment tous nos auditeurs et nos téléspectateurs à se le fournir. Moi-même, j'ai un neveu de 18 ans qui s'intéresse à la politique et il m'a demandé un livre. Et donc, pour Noël, c'est le livre, je lui ai dit. C'est une très bonne idée. Il faut le lire, mais voilà. Au moins, ça part de bases très concrètes aussi qui permettent de poser les bons diagnostics, comme vous le dites. J'en profite aussi pour faire un point d'actualité très rapide à nos auditeurs de Livre Noir. D'abord, pour leur dire qu'on se retrouve donc chaque dimanche à 17h pour nos grands entretiens. Également pour leur annoncer pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un magazine depuis le mois de septembre. Le numéro 2 est paru au mois de décembre, il fonctionne très bien. On est dans la catégorie haute des magazines trimestriels avec près de 30 000 exemplaires qui sont tirés donc tous les 3 mois. Il fonctionne très bien, donc rendez-vous en kiosque, allez l'acheter et dites à votre kiosquier de le mettre en avant, c'est quelque chose d'important. Et le dernier point, c'est que nous avons réussi notre grande campagne de dons pour créer un pôle enquête. On cherchait 50 000 euros et ça a été largement dépassé. Donc nous avons pu recruter du monde pour se concentrer sur cet élément très important du terrain. C'est pour ça qu'au moment où cet entretien aussi sera diffusé, moi je serai aux îles Canaries, un lieu aussi d'immigration. Près de 20% de l'immigration européenne vient aujourd'hui, mais dont on ne parle pas assez en France. Donc merci à tous et je vous souhaite encore une très bonne année. Merci encore, Jérôme Forquet, et à très bientôt. Au revoir.